Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une petite histoire de Sibylle Delacroix, parue chez Bayard Jeunesse. C'est Cléo au bain. Bah oui, c'est important le bain. Cléo au bain. Cléo, viens prendre ton bain. Oh papa, je vais le prendre demain, alors je m'amuse bien. D'abord, je suis pas sale, j'ai juste des taches. Si, Cléo, il faut te laver. Et puis, ça sert à rien, les bleus là, ça part même pas au savon. Bon, d'accord. Je me jette à l'eau. Cléo, il y en a partout, j'ai une vraie piscine. Ben non, on ne pêche pas de poisson dans une piscine. Il est un peu calme ce bain, je vais faire des bulles. Allez Cléo, on lave les cheveux. Au secours, une attaque au shampoing! Ah! Si un massage est gratuit sur la tête, je veux bien. Et puis avec la mousse, c'est rigolo, on peut faire ici, on peut essayer plein de coiffures. Ah! Une nouvelle attaque au jet d'eau! Ah! Avec lunettes de rinçage? D'accord. Merci, papa. Maintenant, je sors en robe de princesse. Et pour sauter, je deviens Superman. Après s'être baigné, il faut se peigner. Mais où est le marchepied? Ah voilà, je suis magnifique. Finalement, c'est bien d'être propre. Demain, je reprends un bain. Voilà, c'était Cléo, bain.